Bonjour Roberto Garcia Saez. Bonjour Guylaine. J'ai l'honneur et la joie de vous accueillir sur ma balustrade, puisque vous venez de publier les deux premiers tomes d'une trilogie très ambitieuse, inspirée de votre vie professionnelle. Alors, il s'agit d'un éléphant dans une chaussette. On y viendra, mais c'est en fait un livre que vous avez rebaptisé ainsi, qui initialement en 2011 s'appelait Onuswa qui mal y pense. Puis Didi Paradise. Alors nous parlerons beaucoup de Didi aujourd'hui. Avec plaisir, avec plaisir. Alors puisque nos spectateurs ne vous connaissent pas encore, donc vous avez eu une carrière de globe-trotteur exotique, foisonnante, très dense, avec beaucoup d'aventures qui viennent aujourd'hui nourrir votre œuvre d'écrivain. Donc évidemment, on dit que la fiction est toujours inspirée de la réalité, mais chez vous, donc, les deux se superposent, se rejoignent, s'entrechoquent, s'entremêlent. Et donc, on a deux livres qui sont tout à fait captivants, avec des personnages en couleur, qui font voyager dans le monde entier. Alors déjà, on va revenir sur votre parcours professionnel, puisque vous avez été donc fonctionnaire à l'ONU, à l'OMS, au Fonds mondial, à l'Union européenne, et vous avez beaucoup baroudé en Afrique et en Asie. En effet, en effet. Et un jour, donc, vous avez vécu une expérience traumatisante suite à une rumeur qui vous a sali. Et une fois blanchi, vous avez eu le déclic de l'écriture, de transformer cette souffrance en œuvre d'art. C'est la vocation d'un écrivain. Donc, est-ce qu'on pourrait qualifier vos romans de cathartiques ? Ah oui, complètement. En fait l'envie d'écrire, c'était plus parce que j'étais pris dans une spirale médiatique lorsque je dirigeais un programme du programme des Nations Unies pour le développement au Congo, enfin après ce programme, où il y avait eu des soupçons de malversation. Et j'étais pris dans cette spirale. Et comme c'est la machine médiatique était plus forte que moi, il fallait que je trouve mon moyen de mon exutoire. Et donc j'ai appelé un copain qui était journaliste. Je lui ai dit, je vais écrire un roman de cette histoire pour avoir ma balustrade à moi à ce moment-là. Et donc est né de cette histoire Onuswa qui mal y pense, qui a été rebaptisé en effet un éléphant dans une chaussette récemment et retravaillé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de l'épreuve de l'époque, c'est aussi certainement une des grandes chances de ma vie, parce que ça m'a permis de m'ouvrir à d'abord un voyage intérieur, hein, parce que quand on est accusé, on doit faire un travail personnel profond, hein, on ne doit pas uniquement rester sur le mal vient de l'extérieur, il faut essayer de voir en interne comment on réagit, qu'est-ce que ça touche comme émotion, et c'est ça que j'ai essayé de traduire un petit peu dans ce livre, sans me rendre compte que ça allait ouvrir après une voie insoupçonnée de passer d'écrire des rapports à l'ONU à des fictions, au storytelling en gros. De toute façon, pour un artiste, je crois que le bonheur n'est pas très intéressant en fait. Alors que la souffrance est un génie musagète. La souffrance, il y a un cri de douleur, il y a quelque chose qui jaillit de vous comme une nécessité. On reprend d'ailleurs les mots de Rilke. Rilke disait qu'une œuvre d'art n'était bonne que si elle était issue de la nécessité, ce qui est votre cas. Ah ben là, ça a été pour moi foudroyant parce que je ne m'attendais pas du tout, je n'étais pas prêt. J'étais prêt à être investigué aux Nations Unies quand on a des responsabilités, on est toujours un petit peu sous les feux de la rampe et sous le feu des critiques. Mais je n'étais pas prêt à être pris dans la tenaille d'une investigation criminelle. Si bien que je me souviens très bien, et c'est un des chapitres du livre, hein, qui s'appelle « Le massage turc », je me souviens très bien de ces 3h30... Qui a été monté au théâtre. Qui a été monté au théâtre après, effectivement, sous le nom de l'Oasis des doutes. En 2012, en 2012. Au 20e théâtre. Voilà. Alors là, ça c'était autre chose. Là, c'était le livre en entier qui a été adapté par Benoît Guibert en comédie musicale sous le nom de « Transparence ». Ça, c'était en 2012. Mais après, il y a une autre pièce que j'ai écrite avec Pierre Gillette, qui est juste un chapitre, qui est ce moment traumatisant de ma vie. J'avais 40 ans, où j'ai été pendant 3h30 dans un face-à-face avec des policiers qui m'interrogeaient. Et j'étais arrivé gonflé à bloc en pensant que voilà, j'allais répondre, parce que je savais ce que j'avais fait, je savais ce que je n'avais pas fait. Mais ils m'ont pris en tenaille et je suis sorti de là, j'étais lessivé et ça m'a fait énormément souffrir. Et donc c'est ce moment-là qui a été le déclencheur quelques mois plus tard de me dire il faut absolument que je parle de tout ce qui s'est passé
Et donc, effectivement, dans ce que vous disiez, si on arrive à toucher ces émotions et ces souffrances et ces douleurs et ces peurs et les endroits les plus enfouis qu'on a à l'intérieur de nous, c'est ce qui nous permet de faire jaillir quelque part de l'empathie. J'ai été éblouie par vos romans parce que vraiment, on pénètre dans l'histoire et puis on ne la quitte plus. C'est captivant, c'est tellement c'est haut en couleur. Il y a toute la vie est exacerbée, toutes les émotions sont là. On fait le tour du monde. Il y a un thriller, il y a du suspense, il y a du sexe, il y a de l'argent. Enfin, il y a tous les bons ingrédients pour faire de la bonne littérature, en tout cas. Je me suis inspiré, j'ai eu la chance. Bon, mes parents sont sont espagnols, moi je suis aussi franco-espagnol. Oui, bien sûr. Donc j'ai eu la chance d'avoir déjà un contact avec, en tout cas, un monde déjà binaire, la France et l'Espagne quand j'étais jeune. Mais après, j'ai eu la chance à 15 ans d'aller vivre en Afrique avec mon père, au Bénin, et de passer mon bac là-bas, et de passer une petite partie de mon adolescence au Bénin, dans le pays du Vaudou. Et ça, ça a été aussi le démarrage, je me rends compte maintenant, avec un peu plus d'années, quelques décennies plus tard, je me rends compte que ça a été un moment crucial dans ma vie, parce que ça m'a ouvert les yeux sur le monde. Et après, j'ai voyagé, bien sûr, beaucoup. Et donc, est-ce que vous avez l'impression que dans des continents comme l'Afrique ou l'Asie, on a un rapport différent à la sexualité aussi, peut-être plus libéré, plus... Je ne sais pas si c'est plus libéré. Bon, c'est sûr que nos premières expériences, si on va sur ce terrain-là, nos premières expériences sexuelles sont toujours marquantes, on s'en souvient, enfin j'espère pour tout le monde. Et pour moi, c'était là-bas, donc c'est vrai que c'était quelque chose qui a été assez époustouflant. J'avais une sorte de grand frère spirituel sur place qui était plus âgé que moi, qui s'appelait Mathias, et qui m'amenait dans tous les villages. Mon père me laissait partir avec lui, c'était mon protecteur. Il m'amenait dans tous les villages du Bénin, à Parakou, à Natitingou. Enfin, j'étais un peu partout dans le pays. Et donc, j'ai assisté à des séances de transe, à des cérémonies de naissance, à des deuils. C'était assez époustouflant. Donc, je ne mesurais pas l'amplitude, la magnitude de tout ça, parce que j'étais le petit blanc qui faisait partie de la communauté. Mais bon, ça a été bien sûr une ouverture superbe pour moi. Et je m'en suis rendu compte bien plus tard de la chance que j'ai eue, une autre chance encore, d'avoir côtoyé cette Afrique. Je me souviens encore même de l'odeur sur le tarmac à Cotonou quand je suis arrivé, j'avais 15 ans, l'odeur de l'harmattan, le vent qui venait du désert qui dans les naseaux. Et je le vois, je l'entends, je le sens encore. L'Afrique vous a beaucoup enrichi. Ça me manque toujours. J'ai vécu après au Congo, en Guinée, dans d'autres pays. J'y étais beaucoup, hein, mais j'aime y aller parce que c'est, je sais pas, une sorte de, c'est quelque chose qui est assez, il y a une sorte de d'aimant avec le sol. On a l'impression vraiment c'est le centre, c'est l'origine de tout. C'est très complexe. Hein. Puis l'Afrique, c'est pas l'Afrique. C'est une multitude de pays entre le Nord, l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Ouest, centrale. C'est très différent. Mais il y a une force qui me manque à chaque fois. Mais j'aime bien la quitter aussi parce que c'est aussi très très dense. Hein. Il faut avoir l'énergie nécessaire pour donner et prendre. On peut dire que vous avez une hérédité un peu chargée politiquement quand même. Dans votre famille, on militait déjà. On avait à cœur de faire advenir plus d'égalité, plus de justice, n'est-ce pas? Vous êtes né dans ce milieu quand même très militant. Oui, mon père et ma mère donc, sont des réfugiés politiques de 1939 et 1950 pour ma mère. Et respectivement, leurs parents étaient très engagés politiquement. Du côté de ma mère, mon grand-père a fondé même la cellule du Parti communiste à Valencia, en Espagne, à Valencia. Et du côté de mon père, qui a été adopté, il était adopté par une famille dont un des deux frères était une grande figure espagnole qui s'appelle Juan García Morales, qui était un prêtre qui a été antifranquiste, bien sûr, républicain, qui haranguait les foules. Et donc je viens un peu de cet univers-là. Après, mon père et ma mère se sont retrouvés dans les milieux espagnols en France, à Lyon, en l'occurrence, où je suis né. Et c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de connaître mes grands-parents qui, eux, sont arrivés en France quand ils avaient la quarantaine. Donc, c'est très différent quand on est déraciné de son pays à ce moment-là. Et donc, je me souviens de discussions politiques les samedis et les dimanches surtout. Ça m'a construit. On peut dire que vous avez été sensibilisé dès le berceau
Et vous avez eu envie de faire bouger les choses. Mm-hmm. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous écrivez. L'écrivain, il cherche un petit peu à changer le monde en mieux, j'imagine. Oui, et puis aussi à partager. À partager. Et puis à... Sur le premier tome, c'est vrai que j'avais un peu la rage. Donc j'avais envie d'avoir mon plaidoyer, mon opportunité de plaidoyer. Et donc c'était ma forme d'expression. Mais après, petit à petit, je me suis rendu compte, notamment sur le deuxième et avec les pièces de théâtre, après, que ce qui est intéressant, c'est de travailler à la patte humaine. Et d'aimer ses personnages, même le plus grand psychopathe. Il faut quelque part l'aimer pour pouvoir lui donner le petit bout d'humanité qu'on a tous. Oui, ah ben ça c'est un point commun entre Amélie Nothomb et vous, puisqu'elle dit toujours qu'elle est tous ses personnages à la fois. Elle a mis une part d'elle-même dans chaque personnage, elle essaie tous de les comprendre. Donc venons-en aux personnages de votre saga, on peut dire que c'est une saga, puisque deux tomes sont déjà parus. Donc, parlez-nous déjà de Patrick Romero. Est-ce que c'est quand même... lui, il est très inspiré de votre vécu, je crois. Oui, c'était une histoire un peu autobiographique dans le premier tome. Donc, j'avais envie de raconter un petit peu... Voilà, le monde de la coopération est un monde de l'aide humanitaire, est un monde qui est né après la décolonisation un petit peu, notamment avec les MSF, ces mouvements, quand il y a eu le Biafra, hein, les premières images chocs qu'on voyait à la télé avec des personnes, des enfants avec des gros ventres, avec la famine. Et suite à ça, voilà, il y a eu maintenant 5 à 6 décennies, j'allais dire, d'humanitaire un peu moderne. Et j'avais envie de décrire, et donc quelque part un peu post-colonialiste, parce qu'on a fait des copier-coller sur ce qu'on pensait qu'il fallait faire dans les pays pauvres. Donc il y a aussi une certaine mini-arrogance. Et je voulais dans ce personnage avoir à la fois un personnage qui n'est pas dans le cliché classique de l'humanitaire qui va en plan Mère Teresa, mais plus un personnage qui aurait pu très bien être directeur d'une branche de Coca-Cola, qui veut de l'efficacité, etc., et qui n'est pas du pragmatisme, mais pas particulièrement dans la classique compassion humanitaire, même s'il en a. Et donc, c'est justement ce personnage qui semble louche aux yeux d'un policier qui tombe sur une affaire un petit peu louche. Et il se dit, est-ce que ce type, il roule en Jaguar? Il dit, est-ce qu'on peut aider sincèrement les pauvres? Il roule en Jaguar. Donc, c'était un peu ça que j'avais envie de raconter. Et donc là, c'est mon personnage, Patrick Romero, en hommage à mon frère Patrick, qui est décédé il y a maintenant assez longtemps. Vous savez que j'ai fait Sciences Po et un temps, j'ai caressé moi aussi le rêve de faire une carrière dans l'humanitaire. Mais j'étais plein d'idéaux, donc je rêvais, je me disais que c'était un milieu où tout le monde était pur et gentil. Et donc, vos romans semblent prouver le contraire. Donc, d'éléphant déjà, un éléphant dans une chaussette, expliquer à nos auditeurs... C'était une expression qui m'était venue lors d'une réunion à Kinshasa, en République démocratique du Congo, où on avait beaucoup d'argent à dépenser pour distribuer des médicaments dans tout le pays. Le Congo, la République démocratique du Congo, c'est quasiment aussi grand que l'Europe de l'Ouest, donc il n'y avait pas d'infrastructure. Et donc, à un moment, je me rendais compte que les procédures, la bureaucratie onusienne légendaire bloquaient tout. Et je disais, l'éléphant, c'est la masse de ressources qu'on a, et la chaussette, c'est par là où on doit faire passer l'éléphant pour essayer. Donc, il y avait cette frustration, donc c'est un peu ça. Mais pour en revenir à ce que vous disiez sur les personnages, on voudrait qu'il y ait des gens qui soient meilleurs que d'autres en fonction de leur carrière et de leur parcours de vie. Et ce que je voulais montrer, c'est que moi, j'ai connu des gens dans le privé qui sont très bien et des gens très méchants et pas très sympathiques. Mais j'ai vu les mêmes proportions dans le monde, j'allais dire, de l'aide... De l'aide en général, l'aide au développement ou l'aide humanitaire. Et je voulais pas être dans... On est tous humains. Voilà, on est tous humains. Et donc, le but du jeu, c'est la trajectoire. Et si on peut se bonifier au fil du temps, eh ben, c'est ça qui me semble intéressant. Donc, c'est ça que j'ai envie de décrire dans ces personnages. Je veux pas dire tout est pourri dans le monde de l'humanitaire. Pas du tout. Hein. Tout le monde arrive avec beaucoup d'envie, beaucoup d'espoir de changer les choses, avec beaucoup d'idéaux aussi, de rêves. Et après, on se heurte au réel et on se heurte à sa propre... vous savez qu'on dit, si tu ne peux pas changer le monde, change toi-même. Et donc, il y avait une anecdote que je racontais souvent, c'est que lorsque j'ai écrit le premier livre, j'avais rencontré pas mal de gens qui s'étaient trouvés dans des situations un peu similaires à la mienne. Et je me souviens de ce gars qui m'avait dit, tu sais, à MSF, il y avait une enquête qui était sortie où on se rendait compte que 70% des chirurgiens qui s'engageaient dans une mission humanitaire pour partir en Afghanistan ou sur les terrains de guerre, etc., venaient de se faire larguer par leurs copines dans l'année précédente. Mmh.
Et donc, ce que ça disait pour moi, ce qu'il me racontait, mais ça veut dire qu'on y va aussi pour l'aventure. Donc, on n'y va pas uniquement pour la partie altruiste que l'on est, mais aussi, il y a une partie égoïste qui est qu'on a envie d'aller découvrir. Mais c'est aussi, voilà, c'est la vie. C'est la vie. Vous aimez les rencontres, la vie ne vaut que par les rencontres. Mmh. Et donc, vous avez croisé plusieurs personnages qui... atypiques et haut en couleur en Afrique, qui vous ont permis d'élaborer ce personnage fantastique de Didi, qui fait craquer tout le monde, ouais. Qui est émouvante, elle est même bouleversante, cette Didi. Donc, on peut peut-être parler de l'origine de cette Didi, qui vous l'a inspirée, en fait? Alors, bon, moi, je suis dans la cinquantaine. On a vécu l'épidémie de sida... pour ma génération de plein fouet, bon, la génération même d'avant. Et comme j'ai travaillé ces 25 dernières années dans l'univers en fait, des maladies infectieuses, dont le VIH-Sida, qui était une grande pandémie, qui a quand même tué plus de 50 millions de personnes maintenant. Il y a toujours presque 2 millions de personnes qui sont nouvellement infectées chaque année, beaucoup de jeunes filles, notamment en Afrique. On s'est rendu compte, bien évidemment, que c'était que l'approche purement médicale lorsqu'on doit répondre à des pandémies comme ça, ne fonctionnait pas, puisque les personnes qui étaient les plus à risque de contracter le virus étaient les gays, hein, donc les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, et puis les personnes, les usagers de drogue par échange de seringues. Et donc ça touchait un thème moral, et qu'il y a eu des gros réflexes, notamment des États-Unis, il y a de ça tout juste 20 ans, qui étaient des approches morales. Alors qu'on l'a vu même avec le Covid, il faut avoir une approche de santé publique. Si quelqu'un est à risque et qu'on est dans un monde des droits de l'homme, des droits humains, voilà, ben, il faut aider ces personnes. Et je me rappelle très bien que la politique américaine à l'époque, au début des années 2000, c'était ABC. Abstinence, behavior, qui veut dire comportement, et troisièmement, condom, préservatif. Oui. Et donc, c'est dans cet ordre-là. Donc, on moralisait et donc on culpabilisait les personnes. Et je dis ça parce que, bien évidemment, il y a eu aussi toutes les personnes qui sont toujours dans le bois parce qu'en fait, elles sont stigmatisées, elles sont rejetées. Et donc, il y avait les transgenres, toutes les personnes homosexuelles, les usagers de drogue, etc. Et donc, comme je connaissais un peu l'histoire du démarrage du mouvement LGBT, qui est très d'actualité aujourd'hui avec... fameuse Marsha B. Johnson en 1969 à Greenwich Village. Parce qu'il faut rappeler, il y a 50 ans encore, la plupart des États américains, c'est interdit d'être homosexuel. Il y a 50 ans. Mmh. Aujourd'hui, il y a encore plus de 60 pays dans le monde qui criminalisent l'homosexualité. Et je crois qu'il y a 9 ou 10 pays où c'est la peine de mort. Encore aujourd'hui. Donc il faut voir d'où on vient. Et donc, voilà, tout ça pour arriver à ma Didi préférée, qui est un transgenre congolais, qui rêve d'un monde meilleur dans un pays où être transgenre n'est pas accepté. Et donc, comme je connaissais l'histoire, c'est en 1969, donc c'est le début un peu de ce qu'on appelle le mouvement LGBT, avec Marsha B. Johnson, qui est un transsexuel noir américain. Et il y a une descente de police dans un des pubs, dans un des bars clandestins, hein, qui était donc à la main des mafias, parce que c'était clandestin, qui descend à 1h du matin, qui fait des fouilles, etc. Et de là est parti un mouvement de révolte, de riot, comme on dit, dans tout Greenwich Village. Donc je connaissais bien cette histoire. Et ayant travaillé dans le monde du VIH-Sida, j'ai rencontré bien sûr beaucoup de personnes qui, heureusement, ont pu... graduellement sortir du bois, j'allais dire, et puis qu'on les accepte. C'est une histoire tout simplement de basique de droit des êtres humains d'être ce que l'on veut être à partir du moment où on ne dérange pas l'autre, tout simplement. Bien sûr. Et votre Didi, donc, d'un roman à l'autre, va passer de l'Afrique à l'Asie, n'est-ce pas? Effectivement, en voyage, parce que ma première vie, j'allais dire, dans l'aide humanitaire ou au développement, c'était plutôt l'Afrique, et j'ai eu la chance de découvrir l'Asie, notamment l'Asie du Sud-Est à partir des années 2000 au Cambodge. Et donc il y a toute cette région, c'est en Asie du Sud-Est qu'on adore tous, qui c'est le Cambodge, le Laos, le Vietnam, la Thaïlande, le Myanmar. Voilà, j'ai vécu beaucoup d'années là-bas, et j'avais envie dans ce livre-là de montrer cette vie internationale qu'on peut avoir. Où on bouge d'un continent à l'autre, on a cette chance de découvrir d'autres cultures,
dans une position, j'en ai conscience, hein, tout à fait privilégiée, puisqu'on est là où on représente, on est des vecteurs pour faire un transfert de ressources. Donc c'est vrai qu'il y a un décalage, quelque chose qui a aussi un peu biaisé. Mais bon, voilà, c'est ce que j'ai envie de raconter dans cette future trilogie, j'espère. Et votre Patrick Romero, quand même, c'est un coquin, c'est un libertin, n'est-ce pas? Ah, c'est un libertin, ah oui. Voilà, il a des mœurs un peu spéciales. Je crois que c'est sa femme Isabella qui dit qu'il est le metteur en scène de leur vie conjugale. Exactement, voilà. Exactement, voilà, c'est ça. Lui, il aime bien, voilà, c'est une fuite en avant permanente. C'est un caractère qui, il est très efficace, hein, il fait son boulot, mais il s'autorise ses va et ses vient. Et bon, il a tout à fait son droit, mais c'est vrai que c'est un... quelque part aussi un grand manipulateur, peut-être. Ils sont très libres. Et puis, il y a ce personnage de Carlotta qui est la maîtresse des deux, en fait, finalement, du couple. Effectivement. Donc, il y a quand même des méli-mélos dans les deux livres. Parce que, bon, vous savez, quand on voyage beaucoup, on rencontre des nouvelles personnes avec une intensité. Parce que quand on est dans des zones qui sont un peu de guerre ou de tension, etc., on se retrouve dans des petites communautés. Donc, il y a beaucoup d'échanges. Les gens travaillent beaucoup, hein. J'ai toujours, il y a peut-être des feignants, mais moi j'ai toujours vu dans ce monde des gens qui ont travaillé tous énormément, donc on se relâche après. Il y a aussi beaucoup d'alcool, il y a beaucoup de drogue aussi, hein, qui circulent. Et enfin, en tout cas à cette époque, dans ce que je décris, je ne peux pas toujours dire que c'est toujours comme ça. Et donc j'avais envie de raconter ces méandres et de montrer que l'être humain reste l'être humain. Et que, quelle que soit sa position, on a tous nos vulnérabilités. Et c'est ça qui rend les êtres humains fragiles et attachants. Oui, il y a de la tendresse, finalement, dans votre livre aussi. Il y a aussi une forme d'amour, de tendresse qu'on ressent entre vos personnages. Oui, ils s'aiment, ils se trompent, ils font des erreurs. Il est beaucoup question aussi d'ego. Quand on est... à la tête, vous savez, quand on représente une somme d'argent, mais colossale, hein, des fois on a des programmes à 50, 100 millions de dollars, et qu'on est une équipe qui gère cet argent et qu'on distribue, on peut perdre la tête aussi, on peut, son ego, l'ego c'est quelque chose qu'il faut travailler tout au long de sa vie, et avoir une distance, il ne faut pas l'éliminer, mais il faut en avoir conscience, et on n'en a pas toujours conscience, surtout quand on est jeune dans cet univers-là, parce que c'est tellement grisant de partir au bout du monde, de partir à l'aventure, de partir aider les gens, c'est une carte postale quelque part aussi. Donc donc c'est bien d'aller travailler, d'aller triturer un petit peu chaque personnage, et de voir un peu toutes leurs contradictions. Et surtout, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que bon, on a quand même deux personnages là qui s'opposent sur ces deux romans. Voilà, Paul Harrison, le flic, qui sont en fait deux hommes blancs, dont moi je fais partie. Hein, je fais partie de cette génération de l'homme blanc avec tous ses privilèges, un thème aussi très d'actualité. Et donc, ils sont chacun avec leur vision du monde, chacun avec leur aventure de vie. Et puis, ils se boxent l'un et l'autre. Peut-être aussi aux dépens de la misère du monde. Donc il y a une relation forte entre les deux. Est-ce que vous pensez qu'à la fin, il y a un jeu dans cette traque? Est-ce qu'il y a un côté ludique un petit peu? Parce qu'il n'y en a aucun qui veut lâcher Oui, je pense qu'ils sont un petit peu, ils sont beaucoup plus similaires, je pense, qu'ils ne veulent le prétendre. Et ils finissent par avoir besoin l'un de l'autre. Voilà, c'est l'un est la tique sanguinolente de l'autre. Et donc, ils se retrouvent. Et puis l'un, il veut choper l'un, et puis l'autre, il veut qu'on lui lâche les baskets. Mais quelque part, là, c'est tous les deux sont un garde-fou de l'autre. Et quelque part, il y a certainement un peu d'admiration, en tout cas de la part d'Harrison, ce policier, qui est plutôt un baptiste, qui ne supporte pas que potentiellement un homme brillant qui est toujours dans les médias, qui a le verbe facile et qui s'amuse dans la vie, il ne peut pas imaginer qu'il soit intellectuellement honnête et fit for purpose, comme on dit en anglais, et qu'il soit la personne qu'il faut, l'image qu'il faut pour aider la misère du monde, pour solutionner la misère du monde. Et donc, comme aussi il y a des salaires qui sont quand même un peu plus confortables aux Nations Unies que ce pauvre policier de Scotland Yard, donc voilà, il a son os. Et puis l'autre, il a son garde-fou qui le traque de partout, que ce soit en Afrique dans le tome 1, en Asie dans le tome 2, il ne le lâche pas. Donc voilà, j'avais envie d'avoir ces deux égos qui se frottent en permanence sur le terrain de la misère du monde.
l'histoire avance à un rythme tout à fait frénétique. Ça avance très très vite, je trouve. Les histoires défilent, les images se succèdent. Et en fait, on n'a jamais le temps de s'ennuyer. Donc ça, c'est une grande qualité en littérature. On est hypnotisé du début à la fin par votre histoire. C'est absolument très, très prenant. Et puis, je voulais dire aussi que c'est très drôle. C'est extrêmement drôle. Donc, bon, en fait, ça montre que vous mêlez l'humour dans le drame. Donc, peut-on rire de tout ? Oui, mais pas avec tout le monde, c'est des proches qui disaient ça, c'est non ? C'est ça, parce qu'il y a des scènes très très drôles quand même. Je voulais dire à nos auditeurs que c'est pas du tout ennuyeux, on sourit beaucoup. Moi, j'ai bien aimé les scènes de sexe aussi, qui sont... Oui, il y a un érotisme torride et un petit peu original d'ailleurs, qui sort des sentiers battus. C'est pas évident d'écrire des scènes de sexe sans vulgarité, avec des mots un peu nouveaux, des images originales, qui sortent de l'ordinaire. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Je lis un petit passage, peut-être. Ah ben, avec plaisir, avec plaisir. Pour vous rendre hommage. Donc là, on a affaire à Patrick Romero, donc, et Didi. Ils s'installèrent face à face et Didi commença à faire courir ses orteils autour du sexe de Patrick qui pendouillait par la fente de son caleçon. La dextérité avec laquelle il prodiguait ses caresses le métamorphosa instantanément. Patrick regardait les membres habiles s'enjouer, bouillonnant du violent désir purement physique qui montait en lui. Sans lâcher son regard de cet excitant spectacle, il saisit de ses deux mains les longs pieds noirs pour accélérer le va-et-vient qui couvrait et découvrait son extrémité lisse et gonflée. Des gouttes épaisses, témoins d'une imminente secousse orgasmique, perlaient sur la peau tendue. Avant que l'ultime mouvement ne fasse jaillir la semence épaisse, Didi, dans un mouvement d'experte virtuosité, colla une pomme sur la bouche de Patrick et vint glisser dans ses lèvres épaisses le raide appendice en le comprimant outrageusement. Dans un râle étouffé par la main noire, sa jouissance s'offrit à la bouche gourmande. Didi projeta son foutre chaud dans les airs alors qu'il léchait les traînées blanchâtres qui coulaient sur le sexe apaisé. Donc, je trouve ça torride. C'est torride, mais en même temps, j'avais jamais lu de telle scène. Mm-hmm. Donc, j'aime beaucoup le côté fantaisiste. Mm-hmm. Et voilà. Et je voulais aussi dire qu'on y croit vraiment tellement ça semble incarné. Vos personnages sont très forts et charnels et on les voit en trois dimensions, hein, vraiment. C'est une grande qualité. Bon, bah, je suis ravie que vous ayez lu ce passage. Alors, tout n'est pas autobiographique, hein. Non, tout est presque vrai. Mais oui, j'avais envie aussi d'avoir... En général, dans la vie, je trouve que quand j'étais plus jeune, je trouve qu'il y a des tas de sujets qu'on ne pouvait pas aborder. Et au fil de la vie, quand on devient un peu plus adulte, ça m'a toujours agacé un petit peu les tabous. Et donc, je me rends compte qu'il y a des choses que le sexe, tout le monde a du sexe dans sa vie. Et puis, la façon dont on en parle est toujours alambiquée, cachée, pleine de tabous. Et donc, je ne veux pas dire qu'il faut juste en faire plus que ce que c'est, mais c'est quand même partie de notre vie. Et donc, il n'y a aucune raison de... Comment dire ? D'idéaliser certains personnages plus que d'autres en fonction de leur origine, de là où ils viennent, etc. J'ai envie que voilà, des personnages, voilà, un fonctionnaire des Nations Unies a le droit d'avoir sa vie sexuelle épanouie. Mais on vit une époque absolument fascinante à ce niveau-là, parce que ça fait quand même des millénaires que l'histoire était figée. Avec quand même la famille hétéronormée, entre guillemets. Et puis là, on a un chamboulement total, presque un changement anthropologique quand même, où on assiste à une époque où l'individu, le désir de l'individu, passe au-delà de la nature même pour déterminer sa sexualité. C'est ce qu'on appelle la théorie du genre. Donc, vous êtes très progressiste, hein, n'est-ce pas, sur ces sujets. Et vous pensez donc que c'est un progrès absolu d'effacer ce sexe qui nous emprisonne dans une identité quelque part. Moi, je pense que c'est... Moi, je vis à Amsterdam, qui est une ville qui, historiquement, a toujours été très libre, hein, pour accueillir des minorités, des groupes, des juifs notamment, qui étaient rejetés de partout en Europe, et très LGBT-friendly. Donc il y a beaucoup de jeunes, et notamment la dernière pièce de théâtre là, qu'on a fait
qui a été produite à Amsterdam, l'Oasis des Doutes. J'étais avec une équipe de très jeunes. Et donc certains sont marqués LGBT. C'est un acte politique. Clairement, c'est un acte politique. C'est « je ne veux pas être déterminé par l'œil de l'autre en fonction de mon genre ». Je décide qui je suis. Je décide que, et si je ne sais pas, laissez-moi le temps de savoir. Et moi, je trouve ça très sain. Très sain. Et ceux qui ont la crainte, parce que vous savez, il y a encore, en Europe, il y a deux pays notamment, hein, qui ont fait des zones qu'on appelle, en fait, c'est des zones de no-go pour LGBT, mais qu'ils appellent des zones free LGBT, en Pologne et en Hongrie, donc dans notre Europe, où les LGBT ne sont pas les bienvenus. Je trouve ça terrifiant de préciser que les LGBT ne sont pas les bienvenus. Et ils appellent ça des LGBT free zone. On free de LGBT, pas de LGBT. Bon, ça me choque. C'est quand même consternant, oui, bien sûr, moi aussi ça me choque. Puisque on est pour l'universalité où chaque humain se vaut et chaque humain doit être considéré selon son individualité propre. Donc ça, c'est un peu choquant de stigmatiser les gens comme ça, c'est bien sûr. Et puis voilà, le mainstream, hein, c'est la vérité. Hein. On dit, ouais, non, la vérité, c'est si. Non, la vérité, en gros, c'est la vie du plus grand nombre. Et donc, la vie du plus grand nombre, ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Donc, ça veut dire que chacun a le droit d'avoir son espace de liberté à partir du moment où il ne dérange pas l'autre. Donc, les groupes qui sont contre, ça les dérange en quelque sorte que quelqu'un soit différent. Donc, pour moi, c'est la même démarche que le racisme. C'est que la différence ne me convient pas. Bah ouais, je suis désolé, mais on est tous différents en plus. C'est pas dans ce monde que j'aime vivre en tout cas. Par définition, on est tous différents. On a toujours eu des sensibilités, chacun plus ou moins une part de masculin, de féminin, ça c'est indéniable. Mais le changement qu'apporte donc cette pensée LGBT, c'est qu'à présent il y aura moins de souffrance et davantage d'inclusion. Mais d'acceptation d'être humain, tout simplement. L'acceptation d'être humain. Selon ce qu'il décide d'être. Selon ce qu'il est. Selon ce qu'il est, ses attirances. Une personne qui naît dans un corps d'homme et qui se sent femme, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire non, c'est pas bien? Ben non, ben c'est comme ça. Donc on peut tout à fait accepter une personne qui est différente de schéma plus classique. Oui, et on peut tout à fait vivre avec ça. Je vois pas du tout. Où est le problème ? De toute façon, l'amour n'est pas cantonné à un sexe. D'ailleurs, l'amour et l'amitié, c'est très proche. À part le désir physique, l'amour et l'amitié sont la même chose. Et on peut aimer des hommes ou des femmes de la même manière. Donc, non, j'arrive à comprendre ça. Ce qui compte, c'est l'amour, au fond. Oui, bien sûr. Puis bon, après, il y a aussi des schémas de société et autres. Mais ce serait parfait si on était tous bisexuels. Moi, le fait de ne pas l'être, parfois je me dis, peut-être que je rate quelque chose. Voilà, tout simplement. Donc, j'aime bien déstigmatiser les choses parce que je trouve que ou décloisonner plus, aussi. Ou décloisonner parce que je trouve que vous ouvrez des portes de la pensée en fait. Oui, mais bon, moi ça me semble tellement évident que des voies d'espoir. Des voies d'espoir et puis la trajectoire, on le voit un petit peu dans nos élections, quelles sont les tensions qu'on essaie de faire monter. On le voit dans cette malheureuse guerre tout proche de l'Europe qui se déroule. Parce que tout ça, pour moi, je le vois dans un cadre plus large d'un type de gouvernance de nos sociétés qui doit changer. Et on est de passer du vertical testostérone, comme j'appelle, et on le voit très bien avec l'action de Poutine maintenant. Hein, c'est une poussée de testostérone, nous devrions être cela parce qu'on a perdu ceci, cela. Et je pense que moi, j'oppose ça à ce qui me semble être le futur, j'espère, des gouvernances qui sont beaucoup plus décentralisées et qui sont basées sur l'empathie. Alors, ça fait rire des gens, mais je suis désolé, c'est vers ça qu'on doit aller. J'arrive absolument à comprendre ce que vous voulez dire. En fait, vous projetez un peu l'intime et notre liberté de décider qui nous sommes sur le politique, donc sur effectivement pour que les peuples, les pays puissent aussi prendre en main leur destinée. Donc c'est une projection de l'intime sur le politique finalement. C'est une transposition, n'est-ce pas, Roberto ? C'est une transposition et c'est aussi, parce que bon, les choses sont toujours bien complexes, c'est aussi que depuis maintenant quelques décennies, le monde est vraiment devenu un village, qu'on a accès en plus avec l'Internet à de l'information, je veux dire en temps réel, de la bonne, de la mauvaise, mais en termes de quantité, on a accès à tout, en gros, à partir du moment où on a l'Internet. Et on est avec quand même des sociétés qui sont des nations. Et il y a tellement de sujets aujourd'hui où on se rend compte que
que l'unité nation ne peut pas répondre à ces sujets, qui sont des sujets mondiaux, donc il faut collaborer avec d'autres pays, et donc ce nombre de sujets augmente sans arrêt. Donc il y a deux tentations, il y a la tentation universaliste et un peu mondialiste, dans laquelle je m'inscris quand même plus, parce que je me rends compte que c'est vers là qu'on va, et puis l'autre que je comprends aussi, qui est la protection, de se dire non, on ne veut pas, parce qu'il faut d'abord se protéger. La continuité. Voilà, la continuité avec la tradition. Avec la possibilité d'aller vers des extrêmes. Mais, et je ne veux pas rejeter ça, parce que je le comprends moi complètement, et c'est normal, il y a un très bon livre de Régis Debray, L'éloge des frontières, que je relis régulièrement, c'est un petit fascicule, mais il a une intelligence tellement brillante que ça me nourrit toujours beaucoup. Et il dit bien, il faut, enfin, si j'ai bien compris le livre, c'est il faut savoir se déterminer soi-même pour pouvoir, pour pouvoir parler à des différences, à bien d'autres sûr. Pays. Et donc voilà, il pose un énorme diagnostic là-dessus. Je trouve que c'est très intéressant, mais c'est aussi peut-être, et là c'est mon message d'espoir, c'est peut-être aussi ce qu'on est en train d'inventer en Europe. C'est un schéma unique. Et j'espère qu'on va arriver à avoir des valeurs communes, un certain nombre de sujets qu'on va traiter de façon commune pour un intérêt commun, pour défendre un certain nombre de valeurs qu'on a en commun. Mais bon, voilà, donc c'est ce duopole, j'allais dire, d'universalisme versus traditionnalisme me semble pas irréconciliable. Il faut qu'il y ait un vrai débat là-dessus pour savoir ce que l'on est prêt à laisser partir de notre souveraineté. Je crois qu'il faut un équilibre. Il faut un équilibre. Il faut quand même un minimum de continuité, de filiation, et puis ouvrir des voies nouvelles, bien sûr. Oui, et puis je le dis souvent, tout ce qu'on critique toujours dans une communauté qui s'organise politique, il faut toujours aussi la réduire à sa propre personne et la propre complexité de son individu. On est des êtres politiques à titre individuel. Et on ne change pas sans rupture. Alors, pour changer, on fait des burn-out, on fait des dépressions. Donc, quand on met ça à une échelle un peu plus grande. Donc, ce que je veux dire, c'est que, à titre individuel, pour aussi se comporter en société, il faut aussi se connaître soi-même. Il faut faire ce travail. Ça fait vraiment écho, cher Roberto, à une de mes expériences professionnelles, puisque j'ai commencé ma vie d'attachée de presse aux éditions des femmes avec la célèbre Antoinette Fouque, qui avait cofondé le mouvement de libération des femmes en 1968. Et donc, cette femme avait créé un groupe de réflexion qui s'appelait Psychanalyse et politique. Et en fait, elle était psychanalyste de formation. Et elle transposait les problèmes intimes des femmes de son MLF sur le politique. C'est pour ça que ça s'appelait psychanalyse et politique. Mm-hmm. Selon elle, tous les problèmes de domination, soumission, etc., dans le cadre de la famille, dans le cadre de l'entourage, pouvaient être transposés au plan politique. Il y a toujours des luttes de pouvoir. Ça, c'est très intéressant. Je crois que c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup, le rapport entre la force et le pouvoir. Oui, parce qu'il y a toujours eu, même ma génération, on confondait, j'ai appris ça plus tard, faiblesse et vulnérabilité ou force et pouvoir. Mm-hmm. Et en fait, ce que je disais, c'est que il y a un autre livre très bon de Brené Brown qui s'appelle La force de la vulnérabilité, The Power of Vulnerability, qui montre que la vulnérabilité, c'est une force. C'est une vraie force. et vulnérabilité, c'est ce que tous les êtres humains partagent. Et on l'a stigmatisé avec faiblesse. Ouais. Si bien qu'après, on rentre dans un schéma qui est celui qui écrase l'autre parce qu'il n'a pas la force d'annihiler finalement ce que l'on est tout, qui est ce belle chanson aussi de Sting, on est si fragile. Ce que j'ai appris, parce que bon, à travers ce métier aussi, le métier de travailler dans l'aide humanitaire, dans l'aide au développement, c'est la compassion qu'on peut très vite oublier au long de sa vie. Comme je disais souvent, si on n'est pas très vigilant dans la vie et qu'on commence à se renfermer un petit peu, on oublie l'autre. Et donc la politique, je fais des grands écarts là, mais la politique, c'est pas que être dans un parti politique, c'est tous les jours, c'est comment on se comporte. Non, la politique, étymologiquement, c'est l'organisation de la cité, c'est apprendre à vivre ensemble. Voilà. Donc c'est construire ensemble en se respectant, bien entendu. En tout cas, après ces deux tomes, vous êtes, je crois, en train de rédiger le troisième, la suite.
Oui, c'est pas encore là, mais c'est vrai que j'ai envie de clôturer avec voilà, la trilogie sera voilà bouclée et j'ai envie de faire plutôt un flashback sur précisément sur la vie de Patrick Romero et de Harrison quand ils sont enfants et peut-être et comment tout cela a déterminé peut-être leur histoire plus tard. Donc c'est un peu comme Star Wars où vous allez revenir avant l'histoire. Faire un flashback, on va explorer en fait leur enfance et voir comment souvent les enfants c'est donc tout ce que l'on a. Comme patrimoine à la fois génétique et culturel, détermine plus nos vies qu'on ne le pense, tous ces traumatismes invisibles qui nous sont transmis sans qu'on sache, et qu'à un moment, c'est bien d'aller titiller, d'aller toucher pour essayer de comprendre, d'accéder peut-être un peu plus à sa propre conscience. Donc j'ai envie de faire ça, oui, pour ça sera la fin de cette épopée. Non, formidable. Dans ces trois livres. En mars 2022, vous avez une de vos pièces de théâtre qui a été jouée à Amsterdam, n'est-ce pas, pendant plusieurs jours. Oui. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, alors c'est l'Oasis des doutes. C'est effectivement ce que je disais au début de notre discussion. C'est ce moment un petit peu traumatique que j'ai eu il y a maintenant presque 15 ans, hein, où j'étais en face de ces policiers-là. Je suis sorti de cet entretien, j'étais KO. Lessivé. Ah, mais lessivé, j'étais cuit. J'ai vu comment... Ils sont forts. Éprouvés moralement aussi. Je savais plus où j'étais parce qu'ils sortaient de leur contexte, des photos, des emails, etc. Désubstantialisés. C'était tellement puissant que plus tard, après, je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose de ça. Quand j'ai compris qu'en fait, toutes les épreuves qu'on a dans la vie, c'est du matériel pour se développer soi-même. Quand on a la fibre littéraire comme vous, Roberto. Mais je ne savais pas à l'époque. Tout le monde n'a pas ce talent. Parce que j'insiste sur la qualité de l'écriture qui m'a absolument charmée. C'est un livre enchanteur, le premier comme le deuxième tome. Je suis ravi, je me suis fait beaucoup aider parce que j'avais écrit le premier jet avec tout mon contenu, etc. Et je me souviens très bien de ce monsieur. Je me suis fait aider par mon copain journaliste qui m'a aidé à passer d'une mentalité d'écrire des rapports à raconter des histoires. Hein, donc à tuer mes darlings, comme on dit dans un livre, quand on a un truc qu'on aime bien mais qui est un peu lourd. Et puis je suis la prof d'écriture qui m'avait dit, tu sais, c'est super ton bouquin. Enfin, avant qu'il soit publié, c'est super, tout ce que tu as à dire, c'est bien. Il me dit, mais tu sais quoi, personne ne va le lire. Hein. Je lui dis, ah bon, pourquoi? Il me dit, parce que c'est chiant à mourir. Parce que tu expliques trop, tu racontes. Et après, j'ai coupé, et j'ai fait un vrai travail de pendant un an pour arriver à ça. Je suis ravi que ça vous plaise. Et donc, cette pièce de théâtre, l'Oasis des doutes, c'est l'interrogatoire. Alors j'ai changé. C'est une femme qui est accusée, qui fait des puits en Afrique, etc. Et c'est une comédie un peu satirique où il y a trois personnages qui se rendent dedans. C'est un match de boxe à trois. Vous êtes un passionné de théâtre, n'est-ce pas? Ah, j'adore le théâtre, j'adore le cinéma, j'adore les expressions en fait. Là, je m'ouvre un peu plus à la danse aussi, parce que je me rends compte qu'il y a des expressions que je ne connaissais pas suffisamment. Et donc pour le moment, c'est l'écriture et les pièces de théâtre. Et moi, je verrais vraiment très très bien ces deux livres au cinéma, parce que ça s'y prête vraiment. Ça ferait un beau film qui permettrait de faire voyager tout autour du globe. Mm-hmm. Et puis, il y a tous les ingrédients. Il y a la fascination du milieu de ces grandes organisations internationales. Il y a le côté polar, le policier. Il y a le côté libertin avec Romero et sa femme, plus la sexologue, plus qui est entre deux. C'est vraiment deux livres très attachants, uniques, très singuliers, que seul vous pouviez écrire, parce que c'est nourri de votre expérience. Personne n'a eu cette richesse dans sa vie professionnelle de voir des choses tellement atypiques quand même. Donc, votre côté cosmopolite aussi. Vous parlez trois langues, vous avez tellement de culture, vous avez vécu dans le monde entier. Donc, vous étiez vraiment la bonne personne, mais il a fallu, on peut bénir aujourd'hui cette épreuve qui vous a été infligée, puisque sans cette épreuve, ces livres n'existeraient pas. Donc, à toute chose, malheur est bon. Exactement. Voilà. Merci en tout cas pour tous ces compliments, c'est trop. Mais on avance et on raconte des histoires et puis on essaie de l'amener à un public plus large. Et voilà, et bien on vit. Et puis c'est l'aventure de la création, c'est ça qui est bien.
Roberto, je vous remercie de m'avoir accordé cette interview que j'étais vraiment très fière de mener. Et puis, j'ai vraiment un beau produit entre mes mains avec vos deux romans, Un éléphant dans une chaussette et Didi Paradise, que je recommande à tous nos spectateurs. Merci beaucoup, Guylaine.